l'IRA pour innover a une seule façon d'innover, c'est de rester au plus près du terrain, au plus près du consommateur final, de l'observer, de lui demander qu'est-ce qu'il veut et de regarder comment il se comporte. Parce que c'est ça en fait la réalité du marché. Le consommateur est en perpétuelle évolution de sa demande. Et si on s'endort sur nos lauriers, on passe à côté. Donc il faut aujourd'hui innover, innover, innover. Alors je ne suis pas décorateur, mais il y a une chose que je sais, c'est que la restauration repose sur un triptyque qui est l'assiette, le personnel avec qui nous sommes en contact lorsqu'on va au restaurant et le lieu dans lequel on est. Et ça, c'est un triptyque hyper important. Donc là, on parle du lieu. Et le lieu, c'est quoi? C'est de l'agencement, c'est de la décoration. Il faut être beau et instagrammable. Et ça fait un ensemble où je suis bien pendant mon repas. Et c'est ça que les gens veulent. Ils ne veulent pas manger entre quatre murs de béton. Et ce soir, il y a des nominés qui sont très intéressants parce que c'est des gens dont on parle encore une fois pas beaucoup et qui vont être mis en lumière parce qu'ils font des choses merveilleuses, très intéressantes et encore une fois très innovantes.